Et pendant tous ces pros, les 3 L, les 3 L, les... Aujourd'hui, c'est le premier de la vidéo. Donc cette fois-ci, donc c'est de nouveau celle d'une mock. Voilà. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc déjà, c'est sur Scarif, déjà, la planète. Donc l'histoire de la mock, ben... Ils se sont installés dans un bled perdu, mais malheureusement, les séparatistes les ont retrouvés. Malheureusement. Dommage pour eux. Bon. Donc, je vais tout de suite commencer par donc, la roche que j'essaie de mettre un maximum de détails. Voilà, donc, j'ai qui n'a pas beaucoup de briques. J'ai pile assez de briques, mais pile, il me reste plus une seule quasiment. Enfin, si, deux ou trois quand même. Hein, bon. Donc, voilà, donc toute la lignée. Avec ici une petite plante qui a poussé. Donc, jusque-là. Avec la mer. Parfois des grosses vagues, des petites vagues comme là. Quoi, voilà. Là, un droïde qui est dans l'eau. Qui va rejoindre les autres. Qui est un peu en retard des autres, mais bon. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien une antenne. Ça vous frustre peut-être. Mais quoi, cette antenne? Je vais tout vous expliquer. Mais alors, tout vous expliquer. Donc. Déjà, donc je vais vous montrer. Donc ici, nous avons donc une antenne. Voilà. Donc pour le signal audio, vidéo, tout le bazar, pour avoir le signal. Et là, la route, vous savez bien, il y a toujours de la lave, mais en fait, derrière les. La végétation, en fait, il y a de la lave. Voilà, en plus, j'ai vraiment mis de la lave, mais bon, je vais pas voir grand-chose. Voir c'est dans le. Non, on voit rien en trou, mais bon. Donc, en gros, le tuyau, c'est pour ramener du chauffage, c'est pour ça qu'il y a une plaque pendant l'hiver. Voilà. Donc, ici, il y a un commando droïde qui tire donc sur ce clone. Donc, là, ils vont s'entretuer. Donc là, un droïde qui va dans la base. Donc là, il y a un Gungan qui est en train de tuer avec une hache carrément un droïde. Mais malheureusement, il l'a pas vu. Mais il y a un super droïde de combat derrière lui. Donc voilà. Donc toujours avec cette tranche bien assez détaillée. Je trouve en tout cas. Attendez, je tourne cette mock. Comme assez grande, hein, regardez au rapport à mes mains. C'est quand même assez grand, c'est du 64x64. Voilà, c'est pas mal. Donc, bien sûr, là, ils sont pas en repos. Il y a plein de trucs qui ont été morts et tout ça, voilà quoi. Donc, il n'y a personne quasiment. Donc, encore vivant. Donc, ici, nous avons donc trois lits. Donc, trois grands lits quand même. Un clone mort. R2D2 qui va essayer d'électrocuter Général Grievous ou Grievous. Il y en a qui disent deux. Donc là, il y a des mondes qui est mal barré. On va dire entre Général Grievous ou Grievous et les droïdes qui l'entourent. Voilà. Donc là, un ordinateur. Derrière truc de rangement. Donc là, nous avons une caisse. Donc là, l'escalier avec le droïde. Là, un clone qui va se faire défoncer. Donc il se rend. Là encore un ordi. Et là, tout là-bas. Là bon. Un droïde qui regarde les données qu'il y a sur la mock. Enfin, pas sur la mock, mais sur la base. Enfin, les infos, quoi. Donc aussi, je vais vous montrer. J'ai caché un holocron qui est ici, à l'intérieur d'une bulle en. Allez, d'une bulle en laser. Donc, bien caché. J'espère qu'ils ne vont pas la repérer. Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'ils sont venus. Aussi vite, quand même. Voilà. Donc, je peux vous dire, cette mock m'a pris comme 4 heures, rien que pour les roches, quand même. Donc, ça a pris du temps. Et c'est aussi, c'est un peu normal. Il y a où j'ai pas tout mis, sinon la base est tellement profonde qu'on voit rien. Du coup, ben j'ai mis là où je voulais mettre le champ de bataille, j'ai mis parfois sur les côtés
pour mieux vous montrer. Voilà, et donc ici j'ai oublié de vous montrer, mais il y a un Arc Trooper qui tire sur ce droïde. Et le droïde tire sur ce clone. Voilà. Donc, lâchez des gros pouces bleus. Objectif 10 likes si c'est possible. Voilà. Et je viens de fêter mes 190 abonnés ou 190 si vous préférez. Donc, voilà. Donc, je suis content. Voilà. Donc, cette base m'a pris vraiment énormément de temps. Donc, lâchez les pouces bleus et tout ça. Donc, je vais vous remontrer un peu l'ensemble du truc. Donc la mer peut tout bien étaillée avec des vagues et des bulles hein, parfois. Donc la roche détaillée où là il y a comme un pic de bateau. Voilà. La végétation, mais j'ai pas misé du tout niveau détail de la végétation. La base non plus, c'est surtout la roche. Mais bon, la base, le truc est tellement grand que j'ai... Par contre, c'est agréable de d'habiter là-dedans. Ok, voilà. Je vais shooter, je suis bazar. Donc, j'aime bien aussi le style de la moque. Niveau truc comme ça, ding 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 ding. Parce que niveau roche, bon, quand même. Et comme je vous dis, il y a de la lave en dessous. En dessous du truc pour avoir. Enfin, derrière les plaques blanches pour avoir. Allez. Du chauffage. Et c'est pour ça que j'ai fait cette plaque. Voilà. Donc, avant que cette vidéo se termine, je voulais juste vous dire que je vais probablement arrêter YouTube. Voilà, donc c'est très violent, comme ça. Mais si ça continue comme ça, en tout cas, c'est possible. Je vous dis... Je vais vous lire la raison dans une prochaine vidéo, mais je suis pas tout sûr. Dites-moi dans les commentaires si je dois arrêter ma chaîne YouTube ou quoi. Donc voilà, donc c'était une vidéo de Pro Lego 3 et le 3L. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. De commenter, j'adore les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donc, une notification, je vais l'avoir après ma vidéo. Donc voilà, donc bye bye, c'est Pro Lego 3L. Autre elle qui vous dit ciao.